qu'il y aura désormais des dispositions comme les magasins et autres points de vente physiques pour le commerce en ligne. Les prix devront être affichés de façon claire et visible. Outre les prix pratiqués, tous les coûts supplémentaires, notamment les frais de livraison, les taxes et les frais de manutention, devront être clairement indiqués. Cela permettra aux consommateurs de connaître le coût total avant de faire un achat, évitant ainsi toute charge cachée. Les consommateurs achetant des produits en ligne auront les mêmes droits que ceux achetant dans des magasins et autres commerces physiques, y compris le droit à des descriptions de produits précises. La possibilité de retourner des produits défectueux et la protection contre les activités frauduleuses. Un nouveau paragraphe sera ajouté à la section 8 pour réglementer spécifiquement le commerce en ligne. Cela permettra d'assurer que les transactions digitales soient réglementées de manière adéquate, offrant ainsi une protection accrue aux consommateurs dans l'espace numérique. De plus, une nouvelle section 12A sera introduite, permettant aux officiers de mon ministère de régler tout différend entre un consommateur et un commerçant à travers la médiation. Cela offre une voie rapide et efficace pour résoudre les litiges, réduisant ainsi le besoin de longues procédures judiciaires.